www.casarima.fr. On n'a pas vu comme on a quitté au temps des apôtres. Il prie pour les gens. Il y a des appelés qui sont. Il y a des lézards qui sont. Ça, mis ne vous hasardez pas. Le ministère ne vient pas de vous. L'Église se récolte du Seigneur. Dans son vivant, il n'a pas sélectionné les femmes pour être des ministres. Même les apôtres, le jour de l'Éphésion, ils pouvaient aussi se laisser complexer pour prendre la sœur Marie, la mère du Seigneur, pour l'embrasser à Jida. Non, bien-aimé. Chaque ministère, il y en a cinq aujourd'hui. Il faut que le ministère. Tire les poissons sur le fondement que le Seigneur avait établi. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ça c'est Saoul et c'est Jonathan son fils. Oui, pour qu'il s'en qui pour Saoul ou pour la moine naïe Jonathan. Et qu'il continue d'enseigner aux enfants d'Israël. Et Jida. Et après ça, qui m'ont dit de voir qui s'en va dans la Yuda. C'est les cantiques de là. Les amis, le Yembo, Yadikula. Il est écrit dans le livre de Juste. Yambo et Koma mina Kuku Nabasembo. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Mon longue Israël est à quoi il dit pour l'avant-gomba na yo. Comment des héros sont-ils tombés? Dès que nous y pensons à longue à quoi. Ne l'annonce point d'Agathe. Au prêtre à l'Isolo, on a gardé été. N'en publiez point la nouvelle dans le riz d'Ascalon. Au Panza Sango, il y a Babalabala et Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. N'a pas banga et des bana et basse et Philistie à basse et de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Au banga et des bana et basse et abakata mingengate et banakolonga. Montagne de Gilboa. Gomba et Gilboa. Montagne de Gilboa. Gomba et Gilboa. Il n'y a sur vous ni rosée ni pluie. Et ça n'a dit qu'on a eu à tana l'ondéité à taper dans la ni chant qui tombe les prémices pour les offrandes. Attaque il angoué pour bota pour manaya poté pour la mabonza. Car là, ont été jetés les boucliers des héros. Les bois kamaki bangoubana balongi. Les boucliers de Saoul. Boukoubana Saoul. Lui a cessé. Et les joints, ma futa et tiki copa pour la bango. Alléluia. Amen. C'est l'oraison funèbre de David. Wanizali loye moya kolela et bébé au David. Jonathan. Et Saoul son père. Et Saoul tatanaye. Ils étaient des vaillants. Bango basara qui va dégager la vie. Ouais, avec l'huile royale. Bango ma parcours la matière ma futa ya bokonzi. Pour servir l'éternel. Pour accompagner la colo. Ils étaient des serviteurs de l'Éternel. Et ils devaient réussir dans toute expédition paisible. Parce qu'un serviteur de Dieu qui reste scrupuleusement dans les modèles de Dieu ne sera pas lui qui combat, mais c'est Dieu qui doit combattre pour lui. Et Dieu doit affermir son règne. Parce que lui, jaillisse encore sur lui. Il a l'autorité et les pouvoirs. Mais cela est évident. Si c'est le Messie, ses serviteurs de Dieu marchent selon les mots. Passé par Dieu. Il y a un modèle dans chaque dispensation que Dieu précise pour son culte. On peut passer outre bien. Il faut rester dans ce modèle. Or, Saoul et Jonathan. Donc, Saoul et Jonathan. Devait affronter les Philistins. C'est des circonstances de cette vie. Les réalités de cette vie. Poussent beaucoup ou certains. Personnes servant l'éternel ou pas, à quitter la voie de justice, ou se donner, marcher selon et, ou selon les hommes, ou en suivant les traces des systèmes de ce monde. Je suis en train d'avertir l'église dans le temps que nous sommes, c'est un temps très compliqué, un temps très bouleversant.
par rapport à la doctrine du Seigneur. Nous ne pouvons aller outre. Nous parlons sur la doctrine. Comme nous avons l'habitude de vous dire, si la doctrine fait défaut, ça ne sera pas Dieu qui parle. Si la doctrine fait défaut, la doctrine c'est la personne de Dieu. Parce que Dieu c'est sa parole et Dieu c'est sa doctrine. Ne regardez pas une église à part. Ne regardez pas, ne jugez pas une église par rapport à son apparence. Mais il faut regarder sur l'autel de l'Éternel. Le modèle de Dieu. Si vous n'écoutez pas ça, vous serez déçu. Parce que nous sommes déjà vers là. Nous ne nous tendons pas à la fin, mais nous sommes à la fin. La fin de toutes choses est là. Il faut que le peuple soit averti. Il y a pas mal des histoires aujourd'hui. Et des histoires qui touchent facilement la doctrine. Nous voyons montage jusqu'à la sacrificature pour renverser la sacrificature. Il y a un renversement des sacerdotes. Il y a un renversement sacerdotal. Dans ce temps d'histoire. Dans ce temps différent. Alléluia. Amen. 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 Même les apôtres parlaient de notre ère. Ils ont parlé de notre ère pour les qualifier comme une période difficile. L'apôtre Paul dit ceci. Il y aura un temps difficile. Au dernier jour, c'est un temps difficile. C'est pas par rapport au manger et à l'Angolia. Ou à boire, mais c'est tant difficile. Et par rapport à l'esprit, la nourriture spirituelle ou de l'âme, parce que l'âme ne se réjouit pas comme la chair se réjouit. Homme de Dieu ou enfant de Dieu, vous devez chercher là où vous trouvez la nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit qui doit te ravitailler pour qu'elle ait force spirituellement. Dans cet état compliqué, et tu auras les yeux de regarder et de discerner. Alléluia. Amen. Où on peut trouver des vers patriotes. Je suis en train de vous avertir. Sauvez vos âmes. Le temps est très compliqué. La sacrificature est atteinte. Dieu peut te choisir. Mais si tu te cartes à la voie de Dieu, si tu te cartes au modèle, Dieu va t'évoquer. Comment les héros sont-ils? Comment un homme comme Saoul devrait s'y commettre? C'est la montagne de Gilboa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était choisi de l'Éternel. Il devait conduire le troupeau de Dieu. Dieu l'a mis à la tête d'Israël. Amen. Amen. Pour perdre ce troupeau. Mais comment Saoul devait mourir comme Israël? Comment Saoul devait tomber entre le maître des insurgés? David dit ceci. N'annoncez pas cette nouvelle aux filles la Philistia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a déclaré sur la montagne de Gilboa. Du montagne de Gilboa. Ils ont des pluies de rosée sur toi. Ni la pluie. Vous me comprenez? Montagne de Gilboa. On ne trouve sur toi ni rosée, ni pluie. Adam pour la terre. C'est très important. Alléluia. Amen. Et il se demandait comment ces héros sont-ils. Car le père de Jonathan et de Saoul ne se retirait point en lui. Mais
Mais ils sont tombés aujourd'hui. Avant de parler de montagne de Gilboa, de rosée de pluie, touchons d'abord les causes. Les causes favorisantes de la chute de ces héros. Pourquoi ils sont tombés? Car la main de l'Éternel est fidèle. Dieu ne peut abandonner un peuple qui marche scrupuleusement selon sa parole. Dieu ne peut vomir un serviteur qui reste encore dans la gloire et qui parle selon Dieu et non selon l'influence de ses mots. Dieu ne peut abandonner. Quoi qu'elle la soit, quoi qu'elle arrive, c'est cela. Nous interpellons au Père de Dieu, même au serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'a choisi. L'appel que tu as reçu est membre de l'Éternel. La vocation que tu as reçu, quelle que soit la catégorie de vocation, c'est Dieu qui fait la vocation. Selon cela, la vie de Dieu, l'appel et la vocation sont irrévocables. Et si c'est Dieu qui t'a choisi, tu ne serviras pas selon les autres. Ou tu ne serviras pas. Tu ne serviras pas selon la majorité, mais selon l'influence des gens. Mais il faut regarder la direction où tu es en train de te conduire. Alléluia. Amen. 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 Il faut regarder la direction où tu es en train de te conduire. Ça, c'est la vérité. Tu perdras dans ce désert. Car nous sommes en marche vers le ciel dans ce désert qui est spirituel. Redressez-vous. Il faut regarder dans une bonne direction. Parce que le corps de la chair ne peut se permiser sur la terre. Un jour tu quitteras la terre et tu te rendras compte devant l'Éternel. Aujourd'hui, il y a la prolifération des confessions. Partout on adore. Partout il y a des cultes. Même ce dimanche, il y a des gens qui se sont réunis partout, mais qui sont réunis selon le modèle de Dieu. Je vous atteste à ce moment que les chrétiens sont minoritaires, très minoritaires, autant que nous sommes, et persécutés. Pas comme les apôtres, mais persécutés parce qu'il n'y a pas de la nourriture dans la maison de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de la nourriture. Les bergers devient de plus en plus rare. Mais de l'autre côté, le monde est en train de fabriquer ses bergers. Avec des titres hontés, Satan a glissé ses serviteurs. Il les a très bien façonnés. Il les a glissés dans les églises. Qui sont les antichambres de l'église? Ils ont créé des implantations. Ils ont créé des églises. Ils ont l'argent. Ils ont les matériels. Mais ce ne sont pas de l'argent et des matériels qui fait la doctrine du Seigneur. C'est pour cela que je viens. Quand tu rentres dans une église, il faut observer les fondements. Il faut observer la doctrine. Si la doctrine n'est pas respectée, n'adorez pas parce que tu ne seras pas exaucé. Si la doctrine ne reflète pas Christ, ne reflète pas les modèles, n'adorez pas. Sinon, tu ne seras pas exaucé. Nous adorons un Dieu qui est esprit. Nous adorons un Dieu qui est aussi la vérité. Il faut que ces choses s'accordent. S'il n'y a pas le reflet de l'esprit et de la vérité, il faut quitter. Imam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous en avez beaucoup. Aujourd'hui, c'est le niveau sacerdotal qui est à terre. Parce que le ministère aujourd'hui n'est pas quelque chose de vocation. Ça devient une voie d'aspiration. Et comme ici, si tu as fini, tu deviens ministre. C'est pour cela nous parlons là. Les femmes, portant des ministères, les hommes, par la voie de la théologie, des cours bibliques, ou d'une élection quelconque, servent l'Éternel dans les assemblées. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Alléluia. Amen. Et il est regard fixé vers moi. Dieu t'a appelé. Ça m'a béni. Selon là où tu es appelé. Il ne faut pas faire l'usurpation. Aujourd'hui, à cause de cette usurpation, parce que le ministère, je viens de dire, il y a quelque chose d'inspiration. Si tu aspires de devenir ministre de aujourd'hui, si tu as ton argent, tu achètes le matériel, et quelque part tu construis l'église, et tu commences à l'assembler. Et comme les peuples sont les faits aujourd'hui, ils peuvent se déplacer même là où il n'y a pas de pâtirage. Et c'est compliqué là. Paul dit ceci dans une assemblée des saints. Si c'est lui qui est en train de sonner la trompette, si la trompette n'est pas retentie selon la précision, selon les modèles, le peuple seront des barbares. Et ça serait une assemblée des barbares. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit Paul. Si c'est lui qui retentit la trompette, ne retentit pas avec précision. Le peuple qui écoute les sons de la trompette seront des barbares. Et c'est lui qui retentit sera aussi barbare. Et tu rentreras dans une assemblée de barbares. Christ ne se glorifie pas. Parce que Dieu ne peut pas amener Dieu là où ça ne se glorifie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zambe azali muto ba mimaka mimaka ite. Oyo ba tini kaka ite. Donc, kolo, biso to sangani awa yaka. L'Éternel regarde les hommes qui se réunissent au culte si réellement le culte se fait l'esprit et en vérité. C'est ce qu'il dit à la parole. Lève-toi et élève Jésus pour le vrai adorateur. Il y a une précision là-bas. Le vrai adorateur, selon le Père, par l'esprit et en vérité. Il faut que Dieu se comporte. Mais comment les Saoul avait réussi comme roi, choisi par l'Éternel pour servir l'Éternel. Il a réussi l'option royale pour être au-dessus du Père. Mais pourquoi il devait mourir comme un païen? Pourquoi il devait tomber au champ de bataille? Si nous pouvons invoquer les causes aujourd'hui, parlons de l'usurpation sacerdotale. Tu te mets là où Dieu ne t'a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cela était à l'église, au milieu des brebis, les bergers feront un redressement. Mais ces choses ont changé. Ont touché la sacrificature et ont renversé les principes. C'est ce que nous appelons l'aberration ou le renversement des principes. Alléluia. Amen. Et l'église, l'église est devenue aujourd'hui barbare. Comme il est l'église, on ne trouvera pas là où le Seigneur, notre Dieu, reçoit les cultes comme il faut. Ce n'est pas une assemblée des personnes qui peut intriguer Dieu de faire l'assemblée. Mais c'est sa présence. C'est sa présence. C'est sa présence. Si la présence de Dieu est là, oui, c'est manifesté. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes amen. 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 Dieu dit à Saoul. Je me souviens de cet Amalek fille. Mon père de l'ordre de sa sortie. À l'Égypte. Alléluia. Amen. Et je t'ai choisi. Va maintenant. Et des cigoles. Va par Malek. Et des tout par les et rien d'Amalek. Au même côté aussi et pas Amalek. Dans le territoire d'Israël. Nakas n'a pas à tout par alléluia. Amen. Et là, Tutukuna, c'est la deuxième cause. Les années d'Étienne. La première cause. Bézaya Yambo. Quand Saoul fut consacré. Quand Saoul a pas. Où
Les Philistins se sont présentés. Par l'aide de l'Éternel, Saoul a vécu les Philistins. Et ça se passe comme ça. Si tu as Dieu, rien ne peut te résister. Amen. Amen. Ne fais pas de bruit inutile. Il faut avoir Dieu. Parce que tu ne peux pas chasser les démons. Parce que tu pries dans une église. Mais tu chasseras les démons. Si le chasseur de démons se localise dans le monde, identifié par les cadres. Alléluia. Tu ne chasseras pas les démons. Yo, parce que tu es donateur. Parce que tu es diable dans l'église, mais tu chasseras les démons. Si l'alliance avec le chasseur de démons est justifiée, ne fais pas de bruit, mais cherchez à avoir Christ. Et ce message de rester répatrié semble être là aujourd'hui. Amen. Amen. Vous aussi les fidèles, aujourd'hui, vous vous basez seulement sur le combat spirituel. Et là, on est en train de chasser les démons. Là, on est en train de poindre. Il y a même des cantrelats qui sortent. Il y a des serpents qui sortent. Un serpent. Dans ton estomac. Ce serpent était où? C'est pour cela la Bible dit. Les choses spirituelles sont pour des hommes. Cherchez premièrement la repentance pour accéder à la nouvelle naissance et tu seras une autre personne. Tu auras un langage spirituel et ta manière d'envisager les choses sera aussi spirituel. Tes jugements seront spirituels. Les peuples ne savent plus juger aujourd'hui. Parce que vous avez des problèmes. Vous vous coincez avec des liens. Sur cette terre, dans ce corps de nature, les problèmes ne manqueront pas. Les maladies ne manqueront pas. Les miracles ne sont pas destinés pour les serviteurs de Dieu. Même vous les chrétiens. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront vécu. Par votre faiblesse, tu nous mettras beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir aux hommes de Dieu. Les autres ne sont même pas des hommes de Dieu. Regardez un peu Saoul. Il a vécu le Philistin. Il fallait avoir confiance en lui. Et ce n'est pas le tout des combats. Car les combats continuent. Tu peux vaincre aujourd'hui. Les ennemis iront se concerter. Ils se rassembleront. Et reviendront. Mais ils reviendront en force. Là, si tu es à Dieu, les ennemis s'y combattent. L'essentiel, bien aimé, ce qui est très important, c'est de ne plus séparer en personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le ministère aujourd'hui, c'est la masse. Si quelqu'un aspire au ministère, le ministère aujourd'hui, c'est la masse. C'est pour cela que la majorité de ceux qui se disent hommes de Dieu, c'est presque pour des intérêts volontaires. Et il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Si on vit de tous, si nous n'allons pas l'Église, aucun peuple ne sera sauvé. Minorité des hommes de Dieu qui sont restés corrects, nous devons nous arrêter pour avertir l'Église. Car jusqu'à ce que l'Église va lier les sons des trompettes, je parle de vrais sons des trompettes, ce ne sera jamais. Il faut que Christ vienne. Pour prendre soin de vous. Alléluia. C'est pour cela. Même Paul parle de censurer. Il faut censurer. Il faut censurer de tout message. Et parler ouvertement. Pour que vous sachiez. Amen. Que l'alliance que vous avez construit, c'est pas avec un homme, c'est pas avec un pasteur, c'est pas avec un apôtre, mais l'alliance n'est construite qu'avec le Seigneur, car personne n'est arraché sur la croix. Et on t'amène, on t'entraîne si facilement, comme quelqu'un qui ne peut même
pas des écritures. Il y a même des choses trop tu ne demandes pas à réfléchir. Pourquoi tu te laisses la prendre? Amen. Amen. C'est pour cela, même les fidèles, et vous aussi, vous allez partager cette responsabilité. Ce ne sont pas seulement des ordinateurs. Quand Satan envoie ses émissaires dans les églises, il les envoie avec l'argent. Ce sont les gens qui ne sont pas appelés. Parce qu'un ministre a été appelé, ne peut pas entraîner les troupeaux de Dieu dans l'abattoir satanique. Il y aura des limites. Tu ne peux pas entraîner tous les troupeaux de l'éternel dans un abattoir satanique. On vous écoute, je suis sur cela. On vous transmet des candidats qui vont tout droit à l'enfer. Car si le message. Si la trompette les sons qui quellent ne libère pas convenablement les sons et les sons qui doivent être libérés de la trompette ne viendront de l'intérieur. Ça ne sera pas de cette vie ni de la science de l'homme ni de l'autre tradition, car tout ça ne te conduira nulle part. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es là? Et les Philistins sont revenus en force. Et Saul a appris que les Philistins étaient là. Il a appelé Samuel. Samuel lui dit, Samuel a dit à lui, précédez-moi. Je reviendrai dans une semaine. Alléluia. Amen. C'était pour des raisons qui restent inconnues. Et pour la bâtine à eux et notre. Mais dans la révélation, on peut expliquer ça. Dans la révélation, c'est Dieu. Amen. Amen. La révélation, c'est Dieu. La révélation, c'est le pays que nous faisons. Et mon Israël, vous allez au aussi. Mais même là-bas. Il y a des gens qui vous trompent aujourd'hui. Et ça, va tourner dans votre sabino. Avec des révélations qui ne se tuent pas sur la doctrine. Fais des interventions chirurgicales sans cicatrice. On te touche comme ça. On soutient les transformateurs. Les transformateurs de radio. Transformateur dans la carte radio et bien dans d'autres mots. On prie pour toi. Abonnez-vous pour la yo. C'est le serpent qui sort. Ni au canard zobi. Alléluia. Amen. Dans quelle dispensation? Na tango ligne à Biblia. Est-ce que ce serviteur? Tu vas baiser mon sang et le lego. Est appelé des dieux. Abenga mi baiser dans Zambé. Écoutez, ouvrez vos yeux. Nous sommes dans une dispensation spirituelle. L'accent est basé sur la spiritualité. C'est le Saint-Esprit qui doit faire tout. On n'a pas vu au temps des apôtres. Il prie pour les gens. Il y a des cantrelas qui sortent. Il y a des lézards qui sortent. Ils battent des serpents. Mais ils étaient où? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes sur la pesa. Il y a les renversements sacerdotaux. Les gens se sont glissés. Ils ont pris des titres ministériels pour couper l'église de l'éternel. Au temps du soir, c'est l'apostasie qui est décrite par l'apôtre Paul. Il dit faut que l'apostasie soit célébrée. Et après, on verra paraître l'homme impie. Nous vivons cette apostasie, cette aberration. En matière de la doctrine du Seigneur, les gens ne se tuent le plus et les dieux se laissent embêter. Mais ceux qui sont des dieux, les fils et filles d'Abraham, pour écouter les sons de la prophète et prendre la décision pour leur vie. Mais je sais vous très bien, je vous dis qu'il y a la vie de l'au-delà. Il y a une vie après cette vie, et c'est pour cette vie que nous prêchons la parole. C'est pour cette vie que nous travaillons.
Amen. Alléluia. Amen. Saul devait entendre jusqu'à l'arrivée, à l'arrivée de Samuel. Mais qui a dit Saul? Parce que Saul a l'obéi. Amen. Amen. Dis-tu quoi? Avec le monde. Et même de commencer à se disperser. Et les Philistins nous envahissaient. Alléluia. Amen. Et toi aussi, P.I.O.P. tu as dépassé les termes fixés. C'est pour cela que je me suis fait violence. Voilà les mots. Je me suis fait violence. Ils se sont fait violence pour usurper la sacrification. Ils se sont fait violence. Je me suis fait violence. Il a pris les fautes. S'est habillé à un sacrificateur. Lui qui n'a pas réussi cette option. Lui qui n'a pas réussi cette nuit. Il s'est pris comme un sacrificateur. Et alla consulter l'Éternel. Dès que la chose est faite, Samuel le rend. Amen. Les gens sont impatients. Et par manque de patience, ils se sont fait violence. Vous savez bien aimé. Dieu t'a appelé comme un brebis. Reste à cet état. Même si tu es un brebis, si tu deviens un brebis mature, le fait d'être un brebis mature ne deviendra pas un berger. Tu resteras comme un brebis là-bas. Tu es appelé berger, restez au ministère que tu es appelé. Il ne faut pas faire l'usurpation. Il ne faut pas bricoler le ministère. Le ministère, c'est la marque d'autorité. Le ministère est sacré. C'est le ministère qui conduit la sacrificature est sacrée. Cela n'est pas l'objet d'une violence quelconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lire Bandani Oyazoka. Amen. Qui est devant toi pour te faire? Qui te présente la verdure? Qui te présente le gilet? Priez aussi pour les gilets. Pour que Dieu vous montre. C'est lui qui est devant vous. Ne vous laissez pas emporter par votre décision. Dans vos bouches, vous disiez, c'est pour la liberté que Christ nous a. Mais si Christ nous a transmis pour la cité, exercez vos libertés, vous demandez le Fils qui est à connaître les gens qui vous avez. Amen. Amen. Un brebis restera un brebis. Quelle que soit sa maturité, quelle que soit sa connaissance, il ne deviendra pas berger. Il restera un brebis. Parce qu'un brebis ne prendra pas soin des hommes de brebis. Frères et livres, soyez prudents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu traverses seulement la frontière, même si tu étais modérateur, alléluia. Amen. Même si tu étais protocole. Attaque aux acquis mouillés à bateau. Traverse seulement les frontières. La frontière dans les rues et caboli. Soit au fond. Aux à la moins si peu mobile. Tu deviens ministre. Au commis, tu m'as ensemble. Et là-bas, on te trouvera quelque part dans cette foi. On coupe le cigare pour la foi, mon coup. Implanter une église. L'église et comme les chrétiens sont comme ça. Mais ils sont les croyants. C'est le mot croyant. Qui nous tue aujourd'hui. Et qui dit croyant. Croire en tout. Emballer tout. Emballer tout. Et c'est contre l'église. C'est pour cela que vous avez la difficulté de dénicher les magiciens aujourd'hui. Et dénicher les sorciers aujourd'hui dans l'église. Qui ont pris des sacrificatures. Les occultes. Les gens des réseaux. Des réseaux noirs. Qui ont pris d'assaut la sacrificature de l'Éternel. Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont la richesse. Et tu trouveras là-bas. Je suis honoré un peu. Dans des villes que je prêchais là-bas. Et à Luanda, j'ai trouvé les billes. Et j'ai trouvé même les hommes de Dieu. Qui vendent les églises. Vendent les églises et les brebis. Parce que lui a déjà son passeport.
Il va appeler l'autre. Comme lui. Parce que si c'est moi, je n'accepterai pas. Il doit appeler l'autre. Il dit, mais moi je vais aller. Allez-vous à l'Europe. Et l'un d'eux est allé en Europe. Il était ministre de Dieu dirigeant une église. Arrivé là-bas, comme c'est l'Europe. Vous savez qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est maintenant président de Récodine. De la jeunesse. Mais où est partie la vision? Parce que vous priez pour une vision, Là-bas, tu es le conducteur de jeunesse. Où est partie la vision? Et ici, à Luanda, il a vendu l'église à 5 000 $. Or, l'église, c'est une personne morale. Il a vendu les brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Avec quel mandat? Alors, de l'équipe? Est-ce que l'homme de Dieu peut fuir la souffrance en Afrique pour aller à l'Europe? Si tu étais envoyé, mais fuir la souffrance pour aller à l'Europe, c'est l'abandon sacerdotal. Si tu es vraiment appelé, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines limites. Je sais qu'ils ont l'esprit de Dieu au ministère. Le père va franchir. Tu te retrouves là-bas. Parle la mission. Ou bien tu es allé chercher la vie. Comme cette vocable nous dit. Et arriver là-bas. Et surtout là-bas. Il y a que n'importe quoi. Vous embrassez des choses. Ici de la science de ce monde. Ici de l'occultisme. L'essentiel. Et d'avoir beaucoup de fidèles. Et si tu as beaucoup de fidèles, tu auras beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup de fidèles. Alléluia. Amen. Tu dois te fortifier. Est-ce que c'est pour ce but que Dieu nous a? Amen. Est-ce que tu as été vraiment appelé? Tu as réussi la vocation ministérielle? Oui. Mais pourquoi tu es si ouvert? Comme un prédicateur de Paris qui se laisse emporter par n'importe quelle lumière. Oh, chaque lumière qui rentre là-bas, c'est une doctrine, c'est un enseignement. Et cet enseignement ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la lumière du chandelier qui doit éclairer l'église du Seigneur. Redressez-vous, soulevez vos têtes. La fin est là. Il faut que les chrétiens arrivent à comprendre. Alléluia. Le temps que nous sommes. Sans cela, bien-aimé, tu te laisseras emporter. Amen. Amen. Et Saoul a fait l'usurpation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Entrons rapidement parce qu'il n'y a pas de temps. Amen. Amen. Nous touchons par là les ministères de femmes. Bien-aimé, soyons sérieux. Dernièrement, j'ai eu un débat où l'on avait été avec les théologiens. Et aussi, est-ce qu'on devient prie à Dieu de se faire son église dans la folie de la personne. Et ce que nous faisons, allez être extravagants chez les scientifiques, chez les théologiens, s'accorder avec le dirigeant de ce monde, on peut exiger que celui qui doit diriger une église, il faut que j'aille un diplôme de licence en théologie ou doctorat en théologie. Cela n'a rien à voir avec la sacrature que nous défendons. C'est ce que nous disons. Alléluia. Nous respectons les gouvernements.
les gouverneurs de ce monde, mais qu'ils fassent leur travail et que l'Église fasse leur travail. Nous avons deux chemins parallèles. Cela ne peut se converger. Il faut que l'Église suive le chemin que le Seigneur a tracé pour lui. Nous appartenons à un souverain sacrificateur qui agit dans une sacerdotale royale pour Christ et le souverain sacrificateur. C'est lui qui est notre patron. Nous avons des injonctions à recevoir des personnes. Nous avons des raisons à recevoir des personnes si ce n'est de notre patron. Et celui-là, Christ, est le patron d'une entreprise qu'on appelle l'Église. C'est son corps. Et dans cette Église, il a établi sa salité par la vocation. Par la vocation, non par la foi de la théologie, ni par des cours bibliques, pour l'Église va collectionner leur voix au vote pour avoir établir les serviteurs. Attention, bien-aimé. Si tu n'es pas appelé comme tel, Dieu ne te soutiendra pas. Quelle que soit ton intelligence ou ta sagesse. Vous savez qui me dit cette théologie? Il défendait le ministère de la femme. Il dit, vous savez, il y avait quelques femmes. Leur père n'avait pas un héritier. Dans la Bible, ils ont réclamé leurs droits et on les a donné une portion de terre à l'Israël. Je lui ai dit, c'est mal de la théologie. Le ministère, c'est sur le fondement. Chaque ministère, il y en a cinq aujourd'hui. Il faut que les ministères tirent leur poisson sur le fondement que le Seigneur avait établi. Où il est lui-même la pierre. Amen. Amen. Et en Israël, le fondement, c'était les 12 apôtres. Je lui ai dit ceci. Quand les enfants d'Israël étaient prêts à traverser les Jourdains, amen, ils ont sonné la trompette. Ils ont sensibilisé les peuples. Ils ont dit dans trois jours, nous allons traverser les Jourdains pour aller à l'héritage de l'Éternel. Et comment ils ont traversé? La Bible dit, les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et dès que leur vieille fit tremper les Jourdains dans les Jourdains, l'homme des Jourdains a dit, amen. L'homme des Jourdains a dit, mais la Bible déclare, ces sacrificateurs restèrent là-bas sur longtemps que plus d'un million de peuples devaient traverser pour arriver de l'autre côté. Voilà le rôle ministériel. Amener les peuples de l'autre côté, les traverser jusqu'à ce que la totalité des peuples choisis pour être sauvés seront sauvés et arriver de l'autre côté. Et ces sacrificateurs restèrent là-bas, le pied trempé. Alléluia. La Bible dit qu'ils restèrent le pied ferme dans les Jourdains jusqu'à ce que la totalité d'Israël traversait. Et Dieu interpelle Josué. Il lui dit ceci, au milieu des Jourdains, tu trouveras 24 pierres. Alléluia. Tu trouveras 24 pierres. Et quand je lui disais ces choses, il me regardait. Tu trouveras 24 pierres. Et dans ces 24 pierres, tu prendras 12 pierres. Et de 12 pierres seront transportées aussi sur les épaules des 12 fils d'Israël. Le ministère, c'est une charge, c'est un pouvoir, c'est une responsabilité, c'est la première de toutes les responsabilités que tu as l'église dans l'église. Et on ne trouvera pas des 6 amis là-bas. Il faut que Dieu te choisisse. La décision, tu dois choisir 12 fils. Les 12 tribus étaient soutenues
par les 12 fils d'Israël. Et ces 12 fils d'Israël, ce sont eux, ces pierres-là, qui forment les fondements. Et sur ces fondements, on bâtit les cultes. Sur les fondements. Toi, tu adores ce qu'elle fait. Amen. Et pour lui répondre, je lui dis, ces enfants-là, ces femmes-là, on les a accordé une construction. Mais pas une étude. Israël, après qu'on leur donne cette portion de terre, on ne comptait pas 12 tribus en Israël. Vous faites vos vie. Et on n'a pas ajouté une pierre comme une 13e pierre parce qu'on vient de donner une portion de terre. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Alléluia. Pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, vous voyez cette allégorie? Mais je lui ai dit, la Bible, Genèse à l'Apocalypse, essayez de rentrer par les pieds. Le paix que nous rentrons dans la Bible, c'est la révélation. Et c'est le paix qui a frappé mortellement les systèmes de ses hommes qui est la paix. Il a été frappé mortellement par l'épée de la révélation et non de la connaissance de l'homme. L'épée de la connaissance de l'homme ne pouvait frapper avec. Il faut que la révélation vienne. Et cette épée a frappé mortellement. L'épée, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la révélation. Si tu ne passes pas par le l'esprit, tu dois te compliquer sur la marche. Ministre de Dieu ou fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ah, il dit, mais Joël, Joël avait dit, Joël a dit, oh, c'est là où il faut lancer. Vous vous compliquez pour rien. Il dit, Joël avait dit, au dernier jour, Dieu répandra de son esprit. Je lui ai dit ceci, au dernier jour, Joël s'est levé pour vous accuser. Amen. Alléluia. Il faut être dans les Écritures. Je lui ai dit ceci. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il a accepté. Mais dans la diversité, il n'y a qu'un seul Dieu dans la diversité. Mais dans notre ère, Dieu dans sa diversité s'est manifesté comme Père. Il s'est manifesté comme Esprit. Il s'est manifesté comme Fils. Et chaque manifestation est une attribution qui aide les chrétiens pour la perfection. Et toutes ces attributions reviennent maintenant dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit, tout ce que tu feras, fais-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Joël avait parlé du de Saint-Esprit. Je répandrai de son esprit. Mais le ministère, c'est autre chose. Les dons spirituels, autre chose. Les dons charismatiques, tout le monde peut les recevoir. C'est un don. Pierre dit ceci. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don de Jésus. Le don charismatique ne te fera pas un ministre. Le don charismatique ne te fera pas un visionnaire. C'est pour cela bien aimé. On a tordu le vrai sens. On a défié le modèle. Parce que ceux qui ont le don de prêcher, ils ont fait des ministres de Dieu comme des pasteurs aujourd'hui. Or, le don a une limite. Le ministère, c'est le corps de Christ. Il y a diversité de dons. Et c'est l'esprit du don. À cela, l'apôtre n'a pas divisé Dieu. Dieu est un. Et indivisible. Il est absolu. C'est la personne de Jésus-Christ. Mais ses attributions. Amen. Amen. Pour notre disposition. Pour Dieu se manifeste à l'esprit. Il se manifeste au Fils. Il se manifeste comme un Père. Alléluia. Amen. Quand tu l'es l'esprit, il donne les dons et non les ministères. C'est pour cela. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous là. Plus de 120 personnes, y compris Marie, la mère de Jésus était là. Et les femmes
Pe basi soutenir Jésus-Christ dans son ministère. Était aussi là. En train de prier et d'attendre selon ce que Dieu avait dit, et vous éloignez pas de Jérusalem. Il faut attendre la promesse. Je suis la promesse de l'Esprit. Parce que dans une dispensation spirituelle, il faut passer par l'Esprit et non par des cours bibliques. Il faut passer par l'Esprit et non par la théologie. Si tu ne passes pas par l'Esprit, tu viens de te identifier. Par passer par l'Esprit, c'est naître spirituellement. C'est la naissance spirituelle. Quelqu'un qui est bon, mais dirigé un ensemble parce qu'il est docteur en théologie. Docteur, il y a théologie. Non, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas né de nouveau. Il a aspiré d'être passé. Il a aspiré d'être docteur. Il est passé par la voie de la théologie. Comme il est intelligent, il a décroché son diplôme. Demandez-moi à combien. À 60%. Mais vous êtes parti de 40%. Il y a vous ça à 100% qui est là. Parce que Jacques dit ceci. Si tu obéis à Nef, c'est 90%. Et ça, 90%. Elle dit de désobéir à une loi. Tu te rends coupable de vous. Mais toi, tu as 60%. Comment tu as la perfection d'être. C'est que le ministère, c'est une partie de celui qui est parfait. Amen. Et celui qui est parfait, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela la Bible est claire. La Bible dit qu'il nous a établi comme c'est lui qui est parfait dans l'homme qui est l'instrument ministériel. Et ça, les liens au tombe. Est-ce que vous me comprenez? Joël a parlé du Saint-Esprit. Alors il faut faire la part des choses. L'Esprit donne les dons. Les femmes, les hommes ont le pouvoir d'obtenir les dons. Repends-toi seulement. Sois sincère avec Dieu. Dieu te donnera un don spécifique pour que tu sois utile dans l'église. Les gens servent de la complémentarité afin que tu ne sois pas isolé. On a énuméré tant de dons là-bas. Je lui ai fait une petite affaire. Je lui ai dit, il y a combien de dons? Je lui ai dit, c'est quoi la théologie? L'apôtre a énuméré le neuf dons. Mais il dit très bien qu'il y a 10 personnes. On ne peut pas limiter l'esprit. C'est ce que je vous dis. La religion a la limite dans la révélation. La théologie ne connaît même pas la révélation. Alléluia. La dénomination a la limite de la révélation. Parce qu'ils se sont organisés, ils ont fixé des limites, ils se sont conventionnés sur des choses de l'esprit. Et si vous organisez comme ça, sur les choses de l'esprit, l'esprit doit quitter. Il n'y a pas une femme éligible. Et vous, les femmes, cessez de vous compliquer. Tâchez-vous de procéder avec prudence. Tu as réussi un don spirituel. Servez le pied d'un ministre. Ne vous hasardez pas. Les ministères ne viennent pas de vous. L'Église réconte du Seigneur. Dans son vivant, il n'a pas sélectionné les femmes pour être des ministres. Même les apôtres, le jour de l'Éphésion, ils pouvaient aussi se laisser complexer pour prendre la sœur Marie. Du Seigneur pour l'emplacer à Jida. Non, bien aimé. Et les autres disent c'est la coutume de Louba. Qu'est-ce que la coutume de Louba? Viens faire là-bas. Vous savez, les Juifs ont des coutumes similaires à celles des Balouba. C'est pour cela que les Balouba dans les églises, ils condamnent que les femmes n'aillent pas le ministère. Non. Avant que les Balouba soient Louba, tu avais ça la salle. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que Satan, Satan fait honorer la femme. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est la femme qui a ouvert la porte à Satan pour qu'il possède. Et
Et Satan l'a dit. Si tu te prosternes, je te donnerai les pouvoirs. Et maintenant, le monde touche à ça. Si tu veux que Satan ne pas c'est pour cela que l'émancipation est là. Bah, émancipation à moi. C'est pour cela la parité est là. Et cette émancipation est la parité. Émancipation maintenant, le système mondial vient s'imposer à cette sacrifice. Je suis sévère. Le jugement sera conforme à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que le prophète Joël n'a pas parlé du ministère, mais des dons. Il n'a pas parlé des dons ministériels, mais des dons. Que vous et nous, nous devons laisser. Est-ce que tu m'entends? Voilà ah, l'usurpation. Il fait que les héros tombent aujourd'hui. Et les gens qui veulent que leur fille, ceux n'ont pas des enfants, qui veulent que leur fille les succèdent, viennent maintenant pour trouver la fille, disons la femme à le ministère. Et puis après, on commence à voir sa fille, dans des télévisions, commencer à gouverner les héros. Alors, il faut que ça l'église. WWW.